Attends. Amène l'autre ordinateur. Patrick, Oui. je viens de partager un lien pour l'analyse de personnalité, si vous pouvez le faire. OK. Tapi, Jordi.
Bonjour les amis. Bonjour Sinabil. Bonjour Omar. Guy, vous avez passé le test? Bien sûr, je viens de le terminer. Ok, très bien. Donc, j'invite tout le monde à passer le test qui existe sur le slide. C'est un test d'analyse de personnalité qui va nous permettre d'introduire un peu le sujet d'aujourd'hui. J'invite aussi tout le monde à ouvrir leur caméra dans la limite du possible. Et d'inscrire leur prénom suivi du pays d'où ils proviennent, d'où ils nous appellent. Donc, si c'est possible d'inscrire votre prénom, entre parenthèses, le pays d'où vous venez, sur votre photo. Donc là où il y a votre photo ou votre nom, il y a trois points. Cliquez là-dessus. Vous avez « Rename » ou « Renommé ». Vous cliquez sur « Rename » ou « Renommé ». Et là, vous mettez votre nom ou votre prénom. Donc, vous choisissez le nom ou le prénom. Et vous mettez entre parenthèses le pays d'où vous appelez. Je crois que c'est bon. Guy, c'est bon. J'ai enlevé l'autre partie. J'ai mis juste Guy. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Je vous en prie. Donc, vous faites la même chose pour les autres pays, les autres personnes? Pour l'équipe qui ont démarré en février, ils peuvent rejoindre la salle. Je vous ai créé déjà une salle. Hein? Et Monsieur Bassem, votre coach, va vous rejoindre. Bonsoir. 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 Je viens d'arriver, donc je ne sais pas où je pourrais faire la modification donc, que vous aviez demandé en fait. Vous voulez le lien pour l'analyse de personnalité? Oui, c'est bien. Ouais, il est affiché déjà sur l'écran. OK. Et il est communiqué sur le chat. D'accord, merci.
Pour ceux qui veulent se présenter, vous êtes priés d'ouvrir vos caméras et de vous présenter par après. Bonjour Jean-Pierre. Salut mon ami Moufid, tu vas bien? Ça va, cher ami? Oui, et toi? Oui, ça va très bien. Bon, ben c'est bien. Bonjour à tous. Bonjour. Là, Alors. permettez-moi de me présenter, je m'appelle Hakim, si vous m'entendez. Oui, Hakim. Bonjour, j'ai eu votre invitation par email. Et voilà, en fait, actuellement, je travaille pour PostNord au Danemark. Au Danemark. Oui, et j'aimerais bien assister à ce meeting. Bienvenue, Hakim. Merci. Bienvenue. Vous travaillez dans quel domaine? Je travaille dans le logistique. La logistique. La logistique, oui. Très bien. Enchanté. Vraiment, merci. Logistique aérienne ou ferroviaire ou de bain? Non, en fait, généralement, la logistique est en rapport avec le transport des courriers, le transport journalier des courriers. Donc, les chauffeurs qui viennent avec des courriers, D'accord, donc je leur fais des briefs, je fais le tour, le mapping, le planning du jour. Voilà, donc, généralement, très c'est ma bien. première tâche. Très bien, enchanté Hakim. Pareillement, merci. Très bien. Bonjour. Albéric. Oui, je me présente. Moi, c'est Albéric. Je suis en Turquie. Je travaille dans le domaine de la santé. Tu es en Turquie, c'est ça? Oui, en Turquie. Très bien. Vous travaillez dans le domaine de la santé, Oui. public ou privé? Privé. Privé. Enchanté, Albéric. Enchanté, monsieur Mouf. Très bien. Oppo, Oppo, c'est qui? Micro, micro, s'il vous plaît. Bonjour, ça va? Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Oui, ça va très bien. Votre prénom? Jonas. Ionas. Oui. Et vous nous appelez de quel pays? L'Algérie. Algérie. Vous êtes dans quel secteur? Oui, entreprise nationale des granulats. Je suis ingénieur hygiène, sécurité, environnement. Très bien. Bienvenue, Younes. Merci. Très bien. Très bien, alhamdoulilah. Théophile, vous nous appelez de quel pays? Quoi? Bonjour. Vous êtes de quel pays, Théophile? Tire-fille.
On vous écoute pas. Allô? Oui, on vous écoute. Ok, bien, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bien, je suis Théophile, j'appelle depuis le Tchad. Le Tchad. Bienvenue à nos amis tchadiens. Oui. Ok, merci bien. Vous faites quoi dans la vie? Et je suis le gestionnaire de pharmacie au niveau des IRC, International Rescue Committee. Intéressant. Bienvenue. Très bien. Merci. Bakary, vous êtes de quel pays, Bakary? Bakary. Très bien, d'autres personnes veulent se présenter? Vous ouvrez votre caméra, s'il vous plaît. Amadou, Erwin, Amine, Hedley. Oui, Ahmed Amin, vous êtes de quel pays, Ahmed? Votre micro, s'il vous plaît, Ahmed. Ah, désolé. Bonjour pour tous. Je suis tunisien. Je suis un stagiaire. Et voilà, c'est tout. Stagiaire dans quel domaine, Ahmed? Tunis Avias, dans le domaine aéronautique. C'est une société spécialisée dans le transport aéronautique. Très bien. D'autres personnes veulent se présenter? Bonjour. Oui, bonjour, Anas. Veuillez m'excuser, premièrement, je n'ai pas de caméra pour le moment. Sans problème. Bon, c'est Anas Farhat, 24 ans. Étudiant en deuxième année, master spécialisé dans le contrôle qualité dans les industries pharmaceutiques, alimentaires et cosmétiques à l'université Hassan II à Casablanca. Voilà. Alors, vous êtes marocain? Oui, effectivement. Bienvenue, Anas. Merci beaucoup. Très bien. Donc, d'autres personnes veulent se présenter? Allô, bonjour. Vous m'entendez? Oui, bonjour, Erwin. Oui, bon, je m'appelle Erwin, je suis militaire. Et voilà, j'ai plus de webcam pour l'instant, mais je pense que demain, j'en prendrai une. Voilà. Vous êtes dans quel domaine, Erwin? Je suis gendarme. Comment? Je suis gendarme. Gendarme, bienvenue, Erwin. Bienvenue. Très bien, d'autres personnes veulent se présenter? Et bonjour. Oui, bonjour Elarij. Je suis Elzé Chaïma, marocaine, étudiante en première année doctorante, domaine l'entrepreneuriat, l'impact des politiques publiques sur le management et le développement de l'entrepreneuriat. Selima, c'est ça? Non, c'est Elzé. Elzé. Oui. Très bien, bienvenue Elzé. Merci beaucoup. Très bien. D'autres personnes veulent se présenter? Allez-y, Jean-Pierre. J'avais fermé mon micro. Bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Pierre Benoît. Nous sommes partenaires fidèles de Moufid depuis 3 ans. Donc, je suis basé en Suisse, hein, excusez-moi. Notre société s'appelle Masoda et nous travaillons avec Moufid, Carré et le groupe IC Canada depuis 3 ans. Nous développons des prestations de services grâce à la solution développée par le groupe Carré, la solution qui va vous être présentée tout à l'heure par Moufid, qui s'appelle KMS. Quand on l'a connue, elle s'appelait TQM Performance. Aujourd'hui, elle a beaucoup évolué vers le Knowledge Management. Et nous, grâce à ce produit, on a développé des plateformes métiers qu'on commercialise en Suisse et en France et en Europe en général, parce qu'aujourd'hui, on est même en Allemagne en ce moment.
On a des contacts même en Allemagne en ce moment. Voilà. Donc, les compétences qui sont formées par l'ICE Canada aujourd'hui, on s'en sert pour les projets qu'on gère à l'étranger. On a des projets en Tunisie, au Cameroun, en Côte d'Ivoire prochainement. Voilà. Donc, nous, les compétences que vous représentez pour nous qui sont formées par ICE Canada sont très importantes pour notre développement. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Donc, Jean-Pierre, c'est notre partenaire stratégique en Europe et en Afrique. Et nous vous rendons fiers. Très bien. D'autres personnes veulent se présenter? Oui. Oui, allez-y. Oui, vous êtes monsieur? Il y a un problème de connexion. D'autres personnes veulent se présenter? Bonjour. Oui, bonjour. Allô. Oui, oui. Oui, bonjour. Monsieur Belbachir. Allô, bonjour. Oui, d'autres personnes veulent se présenter? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Ah, oui, bonjour. Je viens de me connecter là, donc... Allô? Bienvenue. Très bien, je vous invite tous à remplir la fiche de présence. Communiqué par M. Omar. Et je vous invite aussi à effectuer le test de personnalité qui vient d'être communiqué dans le chat. On remplit une liste de présence. Okay. Ça, c'est sûr. Oui. Très bien. M. Mohamed, vous voulez vous présenter? Oui, oui. Donc, oui. Je disais que je viens de me connecter. J'ai pris ça en cours. Et la présentation, c'est Dr. Gagba Salifou Mohamed. Gagba Salifou Mohamed, je suis médecin épidémiologiste nigérien. Nigérien. Oui, Niger. Ah, du Niger. Niger, oui, nigérien. Pas nigérien. Mohamed. Ok. Voilà. Okay. Okay, merci. Donc, personne veut se présenter. Monsieur Abdelila, comment vas-tu? Ça va très bien, monsieur Moussi. Votre coach est arrivé ou pas encore? Je crois pas encore. Très bien, je vous ai créé la salle. Hein. D'accord, merci. À tout moment, vous pouvez y aller. Très bien, donc on commence cette présentation. Tout d'abord, bienvenue tout le monde. Je vous souhaite tous les bienvenus et on va passer certainement d'agréables moments ensemble. Donc, dans cette présentation, ce qu'on va faire, on va commencer par un petit atelier pratique. Vous êtes tous donc invités à remplir la fiche de présence ainsi que le test de personnalité qui est affiché sur l'écran et qui est communiqué sur le chat. Pour l'équipe qui a démarré en février, M. Bassam et son équipe, je vous ai créé une salle, donc vous pouvez aller à votre salle. Hein. Très bien. Juste ceux qui ont terminé le test de personnalité, donc vous cliquez sur les signes et vous mettez le signe qui est comme ça. Très bien, c'est bon pour Gérard. Ceux qui veulent se présenter, ceux qui ont terminé leur test de personnalité, qui veulent se présenter, sont les bienvenus. Hein? Le HP, c'est qui? Votre micro? Vous pouvez activer votre micro maintenant. Oui, allô? Oui, bonjour, vous êtes? Bonjour. Je suis Zakaria Ouedraogo, depuis le Burkina Faso.
Zakaria. Oui, oui. Du Burkina Faso. Oui. Bienvenue. Voilà, merci, merci. Bienvenue à vous. Faites quoi dans la vie, Zakaria? Je suis gestionnaire de projet. Dans quel domaine? L'agriculture, la décentralisation et hygiène assainissement. Intéressant. Ouais. Bienvenue, Zakaria. Voilà, merci, merci, merci. Très bien. D'autres personnes ont terminé le test? Veulent se présenter? Oui. Depuis le chat. Je vais arrêter les bruits de son parce qu'on ne vous entend pas très bien. Hein? Très bien, allez-y. Infinix. C'est qui? Activez votre micro, Infinix. Oui. Apparemment, vous avez une mauvaise connexion. Très bien. Est-ce que d'autres personnes ont terminé, veulent se présenter? Donc, ceux qui terminent, lèvent la main. Très bien, Hakim. Très bien, Zakaria. Gérard. Oui, c'est bon. C'est terminé. Très bien, excellent. Ben, moi, je suis toujours en train de faire le test de personnalité. Ça va? Tout le monde a terminé? Non, moi, je suis toujours en train de le faire. Dans quelques minutes, j'aurai fini. Pour moi, c'est bon, j'ai terminé. C'est bon, ceux qui ont terminé, ils peuvent se présenter. Hein? En attendant que les autres terminent. Allez-y. Là, en fait, je me suis présenté déjà. Je me représente. Oui, allez-y, Hakim. Je m'appelle Hakim, originaire de la Tunisie. Et j'ai une maîtrise en informatique appliquée à la gestion au sein de la Faculté des sciences économiques et gestion de Tunis. J'ai eu une carrière assez plus ou moins importante en Tunisie parce que je travaillais pour des sociétés multinationales. Ça commençait avec le digital marketing et tout. Par la suite, je me suis orienté vers le sales engineering. Actuellement, comme je viens de vous présenter, je travaille dans une société assez qu'elle a plus ou moins d'envergure dans la région nordique, s'appelle Post-Noir. J'y travaille actuellement et a priori, j'envisage de l'équaliser vers la Tunisie encore une fois. Voilà, j'ai fini le test et merci pour l'écoute. Très bien, enchanté, Hakim. Pareillement, merci. Très bien. Monsieur Bessem, est-ce que vous avez réussi à rejoindre la salle? Non, monsieur Moufouit. OK. Donc, je vous ai… Là, normalement, vous pouvez rejoindre la salle, vous et votre équipe. Bonjour, Fatima. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Là, est-ce que vous êtes capable de rejoindre la salle? Elle n'est pas encore… Pas encore. Non, il n'y a pas l'écran de partage du salle. OK. Maintenant, oui. C'est bon. OK, merci, monsieur. Okay. Très bien, je vous en prie. Mais pour coïncider avec nous, on veut assister, mais ça coïncide, il faut décaler comme ça pour courir. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. OK, merci. Très bien, vous pouvez aller en salle pour l'équipe de février. Pour les autres, vous restez avec moi. OK.
Très bien. Tout le monde a passé le test de personnalité? Ça va? Très bien. Donc, on lance un peu un petit débat. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui fait qu'une personne réussisse le plus? Est-ce que ça dépend beaucoup plus des facteurs internes à la personne ou des occasions qui se présentent dans son environnement? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Merci, Mouvid. Comment vas-tu? Alhamdulillah, ça va. Tout va bien. Tu as ma salle pour le... Oui, 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 je vous ai créé votre salle. Vous pouvez y aller. Mm-hmm. Oui, donc c'est laquelle? Attends, c'est Bassem Issé Tunisie, c'est ça? C'est ça. C'est le groupe Bassem Jalouli, groupe de février. Ok. D'accord. Je vais essayer. Je vais essayer. Donc. Très bien. Les autres, oui, rejoignez. Vous restez ici. Oui, 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 oui. Très bien. Donc, on a dit, c'est qu'est-ce qui fait qu'une personne réussisse le plus dans la vie? Est-ce que ce sont des facteurs internes ou des facteurs externes? Allez-y, la parole est à vous. Je vous écoute. Vos micros. Je pense que ça dépend des deux, en fait. D'accord. Le plus. Pour réussir dans votre vie, Hakim, vous misez beaucoup plus sur les opportunités qui arrivent ou plutôt sur ta personnalité, tes compétences, ta motivation? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dans la vie qui... Est-ce qu'ils ont déjà des opportunités? Tu es le type de personne qui crée l'opportunité ou qui attend l'opportunité? Bien sûr, c'est la personne qui crée l'opportunité. Donc, vous êtes le type de personne qui crée l'opportunité? Oui, il faut la créer, en fait. Oui. OK. D'après vous, le leader, c'est celui qui crée l'opportunité ou le leader, c'est celui qui attend l'opportunité qui arrive? C'est important d'avoir les nerfs assez cold. Ben, aussi, c'est très important de créer les opportunités, bien sûr. Très bien. Est-ce que les opportunités, on les crée ou plutôt on est attentif par rapport à ce qui se passe dans notre environnement de telle façon qu'on peut les détecter? Oui, je pense ça aussi. Oui. Il y a des gens qui peuvent détecter les opportunités. OK. Qu'est-ce qui fait qu'une personne a plus de potentiel de détection d'opportunité qu'une autre personne? Je pense que l'expérience a un facteur l'expérience. Très important. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs, d'après vous, les autres participants? Moi, je dirais qu'il y a aussi la personnalité. Parce qu'il faut la personnalité. Oui. Très bien. Quoi d'autre? Donc, supposons qu'il y a une opportunité qui passe. Pourquoi est-ce que quelqu'un pourrait la percevoir et une autre personne pourrait ne pas la percevoir? Ça dépend de la vision, en fait, de cette personne, en fait. Ah, excellent, Albéric. Donc, ça dépend du champ de vision. Ouais. Si mon champ de vision est attentif à tout ce qui est opportunité, si je suis positif dans ma vie, si je regarde tout le temps avec attention toutes les choses qui se passent devant moi et je suis positif de telle façon que je peux tirer le maximum profit de ce qui se passe devant moi, là, je deviens chanceux dans la vie. Mais si par contre, je suis plutôt négatif et quand je regarde toujours, je regarde la partie vide du verre à moitié plein. Et je me concentre beaucoup plus sur le négatif des choses. Il y a des opportunités qui vont passer devant moi, mais je ne vais pas les détecter.
je ne vais détecter que des menaces devant moi. Ça va, les amis? Oui, ça va. Oui, ça va. Les menaces pour un leader, ce sont des défis. Les menaces pour un suiveur, ce sont des obstacles à la réussite. Ça va, les amis? Ça va. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut transformer une menace en une opportunité? Est-ce que quelqu'un pourrait nous donner un exemple? Je suis, par exemple, dans le domaine de la confection. Il y a une menace qui existe. C'est qu'il y a du COVID-19. Toutes les sociétés de confection ne travaillent presque plus, étant donné qu'il n'y a pas du monde qui achète des vêtements. Il y a des sociétés de confection qui se sont transformées en des sociétés qui fabriquent les babettes. Et donc, ils ont transformé la menace en opportunité, en leur faveur, alors que d'autres sociétés ont simplement fermé. Vous êtes d'accord? Oui, oui. C'est bon? Oui. Ouais. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui permet de transformer les opportunités ou les menaces en opportunités? Est-ce que c'est les valeurs, c'est la compétence, c'est la motivation ou c'est la personnalité? D'après vous? Oui, allez-y, Bilbachir, Mohamed. Votre micro. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de participer avec vous. Je suis Bonjour. Bilbachir du Maroc. Vous vous présentez du Maroc, bienvenue. Okay, je travaille sur l'entrepreneuriat et l'innovation. Je suis la première année d'autres. Je suis gestionnaire au sein de l'entreprise. Donc, pour le thème de l'innovation, de l'entrepreneuriat, à mon avis, confronté comme vous avez déjà dit, et il y a plusieurs facteurs qui sont primordiaux, à l'instar de l'innovation, parce que l'innovation joue un rôle très important pour créer des chances, pour créer des alternatives. Il y a aussi la personnalité, les traits de personnalité. De savoir Donc, d'après être... vous, c'est la personnalité qui fait en sorte qu'une personne réussisse plus qu'une autre dans l'entrepreneuriat et l'innovation. Oui, c'est l'innovation, c'est la personnalité, c'est les traits de personnalité. Parce que si on parle de traits de personnalité, il y a aussi d'autres facteurs, c'est le background, c'est les formations, c'est l'éducation. Très bien, très bien. Najla? Oui, bonjour. Oui, bonjour Najla. Alors, pour moi, la... Vous fait, nous c'est... appelez de quel pays, Najla? Si c'est du possible Maroc. D'ouvrir les caméras. Hein? Oui, Najla. Alors, je suis du Maroc. Je travaille pour l'État dans le développement humain. Et je suis aussi doctorante en entrepreneuriat social ici au Maroc. Je travaille sur le management des coopératives. Et excellent. Voilà. Alors, pour la réponse, pour moi, c'est la personnalité qui fait qu'une personne est capable de voir dans une menace ou bien dans un problème une solution. J'ai cherché la solution au lieu de le voir comme menace qui va empêcher la personne à se développer ou surtout qu'il soit un frein pour la réussite. Donc, c'est la c'est capacité la à chercher la solution. D'accord, votre... confrère, oui. Justement. C'est la personnalité. Oui. Maintenant, ma question, Najla, d'après oui. vous, qu'est-ce qui nourrit la personnalité? Est-ce que c'est les motivations, les compétences ou les valeurs? Je pense qu'il s'agit d'un mélange. C'est une expérience qui va combiner entre les valeurs, entre la personnalité et la compétence. Donc, oui, pour moi, c'est question, une combinaison. Ma question. Qu'est-ce qui nourrit la personnalité d'une personne? Est-ce que c'est plus ses valeurs, sa motivation,
ou ses compétences. C'est plutôt sa motivation. Donc, la motivation nourrit la personnalité, non pas l'inverse. Je crois qu'il y a en fait un le va-et-vient. C'est-à-dire le va-et-vient, très bien. Oui. Le va plus que le vient ou le vient plus que le voit? Le va plus que le vient. Donc, la personnalité nourrit plus les motivations que les motivations nourrissent la personnalité, c'est ça? En fait, je dirais, je suis motivée de faire quelque chose, alors j'ai la capacité, je suis plutôt forte. Ah, la capacité. La capacité, oui. Ce sont des compétences. Donc, la motivation nourrit les compétences. Mais je pense qu'il y a une différence entre capacité et compétence. Ah, c'est quoi la différence entre capacité à faire quelque chose et compétence à faire quelque chose? Je pense que la compétence est plutôt tout ce qui est, je dirais, académique peut-être à travers les formations, mais la capacité, on peut avoir une personne qui n'a pas vraiment des compétences sur le plan académique, mais elle a la capacité, par exemple, de s'aventurier, elle a la capacité de réussir un business, alors que c'est juste une capacité de faire quelque chose. Avoir la capacité, cela veut dire avoir la matière première. Ah, pour moi, oui, c'est ça. Très bien. Donc, la matière première qui permet de faire quelque chose, vous l'appelez capacité. Donc, je suis capable de faire. Maintenant, est-ce que je suis compétent parce que j'ai étudié ou je suis compétent parce que j'ai de l'expérience? Pour vous, la compétence, c'est seulement l'université ou les études, c'est ça? Les études plus les expériences, oui. C'est les études plus l'expérience dans le domaine. Mais la capacité, c'est aussi de l'expérience, mais pas nécessairement sur le plan académique. D'accord. Donc, pour vous, la capacité, c'est beaucoup plus proche de l'expérience et les compétences, c'est beaucoup plus proche du circuit académique, c'est ça? Pour moi, oui. Très bien. Mais les deux se nourrissent de la motivation. Si on est motivé à étudier, on va acquérir des compétences. Et si on est motivé à travailler, on va acquérir de la capacité. Non, non, la compétence n'a rien à voir avec la motivation parce que la compétence, c'est quelque chose qui peut s'acquérir sans être vraiment motivé. Najla, est-ce que vous avez étudié? Oui. D'accord. Quand vous avez étudié, vous pensez que vous étudiez quand vous étudiez mieux quand vous êtes motivé? Ou vous étudiez mieux quand vous n'êtes pas motivé? Bien sûr que je vais étudier mieux si je suis motivé. D'accord. Donc, c'est la motivation. Mais c'est pour mieux faire. C'est pas nécessaire, mais pour mieux faire. OK. Juste par rapport à ça. Oui. Si je veux que mon enfant étudie bien, je vais l'encourager. Je vais le motiver. Je vais essayer de travailler sur la motivation. Justement. Donc, quand il est motivé, il va produire de la compétence, il va acquérir des connaissances et des compétences. Il va donner plus et puis il pourra arriver à ce que je veux moi en tant que maman, alors qu'il ressent s'épanoui et non pas juste obligé de faire quelque chose. Excellent. Et ça dépend de la personnalité. Donc, si vous travaillez aussi sur sa personnalité, les motivations seront des motivations profondes. Justement. Et si vous ne travaillez pas sur la personnalité, ça va être une motivation superficielle. Exactement. C'est-à-dire, je vais l'obliger. Alors, pour moi, devant mes yeux, je le vois comme étant motivé, alors que lui, il ressent qu'il est obligé d'étudier, il est obligé d'accomplir ses devoirs. Et ça dépend du système de valeurs que vous avez instauré à l'intérieur de la maison. Justement. Et donc, si dans ce système de valeurs, vous travaillez un peu sur les valeurs profondes de l'enfant, il va avoir une personnalité relativement équilibrée, qui va être tout le temps motivée parce que les motivations seront profondes, aussi profondes que les valeurs, et va tout le temps acquérir et développer des compétences. Justement. Maintenant, si je vous demande, tout le monde, à relier les quatre clés de succès d'une personne, à savoir les valeurs, les compétences, les motivations et la personnalité, à un arbre, quel serait l'équivalent des racines? Bonjour. Oui, bonjour, Diallo. Vous vous présentez, Diallo? Oui, c'est Diallo Souleymane de la Guinée-Conakry.
De la Guinée-Conakry, comment allez-vous et comment va la Guinée-Conakry? Oui, nous allons bien, la Guinée se porte bien, on est là, on y fait avec ce que tout le monde fait en ce moment avec cette pandémie et du corona et une partie aussi de la pandémie Ebola qui est en train de refaire surface. Mais nous tenons et nous sommes là, nous sommes, je suis dans l'entrepreneuriat et donc dans le domaine de la distribution de l'Internet d'un côté, de l'autre aussi la distribution des produits pharmaceutiques dans les centres. Très bien, enchanté. Oui. Donc d'après vous, c'est quoi l'équivalent des racines? Je viens de vous prendre un cours, j'aimerais bien continuer à écouter d'abord les discussions. D'accord. Kuruma, voilà. Kuruma, d'après vous, c'est quoi l'équivalent des racines? C'est quoi l'équivalent des racines, les amis? C'est la personnalité. La personnalité, c'est l'équivalent des racines. Est-ce que tout le monde est d'accord? Comment, Kuruma? C'est quoi l'équivalent des racines? Je pense que c'est les valeurs. Les valeurs? Hakim dit c'est la c'est les valeurs. Qui est d'accord avec Hakim? Qui est d'accord avec... Moi aussi, je dis bien, c'est les valeurs. Parce que les valeurs... Les valeurs. Moi aussi, les valeurs. Donc, si on fait l'hypothèse que les racines sont les valeurs, alors la terre, ça serait quoi? La terre dans laquelle on plante les arbres, ça serait quoi? Moi, je dirais la terre, d'abord, c'est la principale ressource. Donc, c'est la principale ressource, parce que tout part de là. Source des ressources. Voilà. Donc, source des ressources. Très bien. Donc c'est l'entreprise. Mm-hmm. Si on fait l'hypothèse que les racines sont les valeurs et la terre, c'est l'entreprise. Évidemment. Et que l'arbre, c'est les individus qui travaillent à l'intérieur de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a son système de valeurs? L'entreprise a son système de valeurs parce que c'est toute cette chaîne qui rôde, qui tourne pour faire marcher l'entreprise. Parce que l'entreprise, pour fonctionner, on a besoin de tout ce qu'on vient d'évoquer. D'où provient le système de valeur de l'entreprise? Le système de valeur de l'entreprise provient d'abord de sa de la source, de oui, et comment on appelle ça, de la ressource humaine que l'entreprise, le système, parce que pour faire fonctionner le système, il faut de la ressource humaine. Là, vous avez évoqué tout ce que vous venez d'évoquer là, ce que je viens de prendre en marche, c'est vrai. Mais ce système, il est basé sur cette ressource humaine pour faire fonctionner, pour fonctionner et apporter des résultats. Excellent. Donc, si on pense que le capital humain, c'est l'ensemble des arbres qui sont plantés à l'intérieur d'un champ ou d'une parcelle, et si on appelle le champ comme étant l'entreprise et les arbres comme étant les cadres à l'intérieur d'une entreprise ou les employés de façon générale. Si les racines représentent les valeurs, le tronc, ça va représenter quoi? Le tronc de l'arbre. C'est la personnalité, la motivation ou les compétences? La personnalité, parce que c'est sur le tronc que tout s'adosse. C'est là. Bon, la personnalité, c'est le tronc qui va se ressourcer des racines, qui sont les valeurs. Le plus on a des valeurs, le plus ces valeurs sont enracinées dans la terre. C'est-à-dire que ces valeurs-là sont les bienvenues dans l'entreprise là où on est. Le plus c'est difficile de nous arracher.
de nous faire virer. Mm-hmm. Oui, mais... Plus nos racines, nos valeurs, même mm-hmm. s'ils sont très importantes, ils ne sont pas adaptés à ce terrain. C'est-à-dire, mes racines ou mes valeurs ne sont pas les mêmes que ceux qui existent dans cette terre-là. C'est comme, par exemple, je veux planter un olivier dans un Sahara, dans un oasis. Bien sûr, un olivier ne donne pas la meilleure performance dans un oasis qu'il donnera dans une autre région, là où c'est adapté aux oliviers. Par contre, un palmier, ça marche très bien dans les oasis. Ce n'est pas parce que le palmier, il est mieux que l'olivier, ou l'olivier, il est pire que le palmier. Mais c'est plutôt l'olivier, il a un terrain pour lequel il est plus adapté, et le palmier, il a un terrain qui est plus adapté. Vous êtes d'accord, les amis? Oui, bon, moi j'ai une objection parce que je viens d'analyser un peu le schéma que vous avez présenté là. Mais je me dis, quelque part, il y a quelque chose qui nous manque ici. Monsieur Moufid, oui. C'est que je vois les racines, je vois les troncs, je vois les branches, les feuilles. Mais il me manque quelque chose de très important pour moi, qu'est la sève. Parce qu'un arbre, parce qu'on dit que de la racine à la feuille, la sève monte et n'arrête jamais. Ça, c'est donc, je ne vois pas où c'est placé. Deuxièmement, je ne vois pas les fruits que l'arbre doit donner. C'est comme si on parlait un peu de feuilles de route qui nous manquent. Ah, excellent. Excellent, d'objectif. Dialogue. Excellent. Très bien. Les fruits, d'après vous, c'est quoi? Bon, le fruit, en fait, c'est le résultat. C'est le résultat, c'est la performance de la personne. Du fonctionnement du système qui a été mis en place parce qu'il faut un objectif. Qu'est-ce que nous voulons? C'est le fruit. Mais là, on parle des facteurs internes à la personne qui vont produire des résultats. Le résultat, c'est le fruit. Vous avez tout à fait d'accord. Mais là, on parle des facteurs qui permettent de produire les fruits. Pour produire du fruit, on a besoin de racines, de troncs, de branches et de feuilles. Mais aussi non, tout ce qui est système interne à l'intérieur de l'arbre, ça, on peut pas le faire apparaître. Oui, mais il nous faut une feuille de route. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais si on admet Diallo, on va simplifier. Si on admet que les racines sont les valeurs, le tronc, mm-hmm. c'est la personnalité. C'est quoi, d'après vous, l'équivalent des branches? Est-ce que c'est la motivation ou les compétences? Non, les branches, ce sont les compétences pour arriver. Moi, je prendrais les branches comme étant les compétences parce qu'il faut des branches pour pouvoir faire plus de fruits, avoir peut-être, disons, avoir plus de résultats. Et dans les compétences aussi, parce qu'on s'est dit que dans un arbre, plus il y a des branches, plus il y a des compétences, disons, pour y arriver. Parce qu'on ne peut pas être un simple avocat, par exemple, ou un simple comptable, sans passer par des financiers ou des commerciaux ou des personnes chargées de marketing. Très bien. Angela, vous avez un autre avis? Najla? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres avis? Ma question. Est-ce que... Oui? Oui, oui, je suis à l'écoute de la question. Est-ce que ce sont les branches qui alimentent les feuilles ou c'est plutôt les feuilles qui alimentent les branches? Non, pour moi, ce sont les branches qui alimentent les feuilles. Très bien. Maintenant, est-ce que c'est la motivation qui crée des compétences ou c'est plutôt les compétences qui créent la motivation?
Très bien. Là, ça dépend. Je m'explique. La oui, compétence. Allez-y. Les compétences peuvent créer la motivation. Vous me donnez un exemple, Diallo? Je vous donne un exemple. On peut être aujourd'hui un comptable. La compétence d'un comptable, de la comptabilité. Uh-huh. Je suis compétent, je suis comptable. Je me rends compte que la méthode dont je fonctionne, la manière dont je fonctionne au sein de l'entreprise ne nous donne pas des bons résultats. Je me rends compte qu'il y a des failles. Cela me motive pour changer de méthode afin d'avoir des résultats probants. OK. Qu'est-ce qui vous a motivé? C'est les failles qui existent ou plutôt la compétence que vous avez? Pour dénicher d'abord des failles, il faut être compétent. On ne peut pas dénicher des erreurs sans avoir la compétence. Maintenant, je vous donne une question, Diallo. Vous êtes responsable de recrutement. Mm-hmm. Est-ce que vous investissez beaucoup plus sur les gens qui sont motivés à développer de nouvelles compétences ou des gens qui sont compétents, qui ne sont pas nécessairement très bien motivés? Je dirais, d'un côté, si j'ai des compétences, c'est à moi de les motiver pour qu'elles s'améliorent. Parce qu'on dit d'un côté aussi, améliorer la vie matérielle, c'est améliorer la vie morale. On peut Ça ouvre à 8h jusqu'à 19h. Diallo? Oui, allô? Oui. Je vais vous donner une petite expérience que j'ai eue. Allez-y. Ouais. En fait, quand j'ai fait mon entretien de recrutement pour intégrer les forces canadiennes, donc j'ai travaillé en tant que conseiller du commandement des forces de l'air canado-américaines. On m'a fait un entretien. Et dans l'entretien, on m'a demandé une question. Vous avez un chat et une souris, un chat aveugle qui doit attraper une souris. Et donc là, j'ai commencé à demander plusieurs questions sans arriver à un résultat. À mi-chemin, celui qui m'a demandé la question, c'était le commandant des forces de l'air. Il m'a dit, monsieur, le temps est écoulé, on va passer au suivant, à la personne suivante. Et donc pour moi, je n'étais pas recruté. Je suis revenu chez moi, un peu déprimé, parce qu'il ne m'a pas laissé le temps pour répondre aux questions. Après 2 semaines, on m'a appelé et on m'a dit, monsieur, vous êtes recruté. Alors, je me suis demandé la question. Pourquoi on m'a recruté? Alors que je n'ai pas répondu à la question. Et quand j'ai demandé la question, ils m'ont dit, monsieur, on ne recrute pas nécessairement des gens qui sont compétents, mais on recrute des gens qui sont motivés à acquérir des compétences. Et donc, on a senti la motivation de vos questions que vous avez demandées. Parce que vous avez demandé tellement de questions que ça nous démontre que vous êtes motivé assez pour trouver une solution. Et donc, on n'a pas besoin de perdre beaucoup de temps pour aller chercher la solution. Ça, c'est une petite expérience. L'autre expérience que j'ai eue, c'était avec les managers, je fais le coaching des chefs d'entreprise. Et donc, la majorité des chefs d'entreprise qui se croient compétents, ils perdent la motivation. Et la majorité des chefs d'entreprise qui sont motivés, ils acquièrent des compétences. Le fait d'être compétent et surtout de croire qu'on est très compétent, c'est une arme à deux tranchants. Il peut nous faire perdre la motivation d'apprendre de nouvelles compétences. Tout à fait. Ça prend une maturité extraordinaire pour quelqu'un de compétent pour dire « je ne suis pas suffisamment compétent et je suis motivé à apprendre davantage ». Ceux qui vont te dire, Diallo, qui sont compétents, généralement, ce sont les gens les moins compétents. Évidemment.
Très bien. Printa. Donc, on va faire l'hypothèse right. que les branches, c'est l'équivalent de la motivation. Yeah. Et quand on est trop motivé, un peu plus de ce qu'il le faut, on risque d'avoir des branches qui vont balancer l'arbre. Et il faut à un certain moment couper les longues branches. Il faut savoir c'est quoi les limites de motivation pour avoir un tronc qui peut soutenir l'arbre. Parce qu'un petit tronc avec de petites branches, ça peut continuer à vivre. Mais un petit tronc avec de longues branches, ça peut le tuer. Ça peut absorber toute l'énergie. Le premier vent, ça va faire passer l'arbre et la déraciner. C'est bon? Sur ça, on va avancer un peu, avec votre permission, pour oui, faire un peu de profiling. D'accord. C'est quoi le profiling? Donc, la majorité d'entre vous, ceux qui sont arrivés à temps, ont fait l'exercice d'analyse de personnalité, les 16personnalités.com. Donc, juste pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ils ont le lien et peuvent le faire juste après. C'est bon, les amis? Donc, je vais le partager dans le chat. Comme ça, tout le monde peut y accéder. Donc, selon ce modèle de personnalité, il existe, et donc nous, on a travaillé un peu sur le modèle pour l'enrichir et pour l'adapter pour le contexte des entreprises principalement multinationales. Qu'est-ce qu'on a retrouvé dans ces entreprises-là et à travers notre expérience d'une trentaine d'années dans le domaine de consulting? On a retrouvé qu'il y a principalement quatre rôles et responsabilités de n'importe quel manager, quel que soit son niveau hiérarchique à l'intérieur de l'entreprise. Il passe tout le temps et tout son temps à effectuer quatre types de tâches. La première tâche, c'est la tâche de l'architecte. C'est celui qui va analyser une situation, comprendre qu'est-ce qui se passe, analyser, interpréter et projeter une nouvelle situation. Donc ça, c'est le rôle de ce qu'on appelle l'architecte. Dans n'importe quel rôle managérial, qu'on soit un chef d'équipe, un chef service, un directeur général, un ministre ou un président, on doit avoir cette aptitude à comprendre quelque chose avant de l'analyser et analyser quelque chose avant d'interpréter et interpréter avant de projeter. Les managers qui ne réussissent pas généralement sont en majorité des gens qui interprètent mal une situation parce qu'ils ne l'ont pas suffisamment analysée ou qui analysent mal une situation parce qu'ils n'ont pas passé assez de temps pour comprendre la situation dans ces deux dimensions internes et externes. Ça va les amis? Ça va. Est-ce que tout le monde est d'accord qu'un architecte ne peut pas nous donner ou nous projeter un plan sans qu'il interprète la situation dans laquelle il a été mis? Est-ce que tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas interpréter sans faire une analyse? Bien sûr. Est-ce que tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas analyser quelque chose qu'on ne comprend pas? Je suis parfaitement d'accord. Et donc, on peut parler de quatre étapes qui sont la compréhension d'une situation, l'analyse d'une situation, l'interprétation des facteurs d'influence et leur impact et l'interprétation des variations qui peuvent être issues de l'analyse pour qu'on puisse projeter l'avenir sur la base de l'évolution des facteurs d'influence. Ça va, tout le monde est d'accord? Oui, tout à fait. Très bien. Maintenant, une fois qu'on a projeté, c'est-à-dire on a créé un plan
on a créé une image de la nouvelle situation. Est-ce que ça suffit pour l'entreprendre? Non. Non. Il faut tout d'abord promouvoir cette nouvelle idée, ce nouveau plan. Auprès de qui on doit faire la promotion? Auprès des promoteurs ou des entrepreneurs ou des bailleurs. Donc, on va le promouvoir auprès de toutes les parties prenantes. Justement. Ceux qui vont exécuter le travail. Mm-hmm. Ceux qui vont contribuer dans le travail. Ceux qui vont financer le travail. Très bien. Et ceux qui peuvent être influencés par le travail. Le travail, justement. Et donc, les clients, les fournisseurs, les partenaires, les collaborateurs, les managers, tout ce monde-là doit être écouté pour comprendre leurs soucis, leur expliquer comment est-ce que notre solution ou notre plan répond à leurs besoins afin qu'on puisse les convaincre de la valeur ajoutée de notre solution pour qu'on puisse les persuader. Est-ce qu'on peut persuader quelqu'un qui n'est pas convaincu? Non. Non, pas vraiment. On peut le persuader, mais ça va être très momentané. S'il n'est pas convaincu, après un certain moment, il va revenir et devenir même quelqu'un qui va résister. Il ne faut surtout pas s'aventurer à persuader quelqu'un qui n'est pas convaincu. Parce qu'en le persuadant, qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir un facteur de résistance tout de suite après. Ça va, les amis? Ouais. C'est quoi le danger de convaincre quelqu'un pour lequel on n'a pas très bien expliqué? Je n'ai pas compris la question. C'est quoi le risque de convaincre quelqu'un qui n'a pas très bien compris, pour lequel on n'a pas très bien expliqué? Non, là je pense, si je peux répondre, en fait, d'un côté d'abord, comme on l'a dit, on ne peut pas convaincre quelqu'un qui n'est pas d'accord avec notre idée. Très bien. D'un côté, si la personne est braquée, le mieux, c'est d'avancer et de ne pas l'amener avec nous parce que il constituera toujours une pomme de discorde dans l'exécution du projet. Excellent. Si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord parce que c'est une question de goût et surtout de couleur. C'est une question d'acceptation. Si je vous rejette tout de suite, M. Moufid, tout ce qui vient de vous après ne m'intéresse pas, même si c'est important ou même si c'est quelque chose d'utile. Mais vous savez, quand on n'aime pas un projet ou on n'apprécie pas un projet, il n'est pas question de perdre de l'énergie à s'attaquer à des personnes ou vouloir convaincre une personne qui n'est pas à convaincre, parce que simplement, quand la personne vous dit « je ne veux pas », ce n'est plus une question de raison ou de réflexion, mais c'est une question de goût et de volonté. S'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de temps à perdre avec la personne, en fait. Excellent. Et pour avoir cette volonté, on doit écouter les gens. Absolument. Le fait de se sentir qu'on n'est pas écouté, même si on explique trop quelque chose à quelqu'un qu'on n'a pas très bien écouté, peut-être qu'on serait à côté de la plaque. Absolument. Et que notre solution, elle est extraordinaire dans nos têtes, mais pas dans la tête de la personne qu'on n'a pas très bien écoutée. Je donne un exemple. J'essaie de convaincre Jean-Pierre Benoît de la nouvelle version de KMS, de notre logiciel de management des connaissances. Mais supposons que je n'ai jamais écouté Jean-Pierre. Qu'à chaque fois qu'il commence à parler, je lui coupe parole.
qui me dit, Moufid, j'ai besoin d'une solution. Ah oui, oui, une solution, on a une solution. Mais arrête, Moufid, je n'ai pas terminé ma phrase. J'ai besoin d'une solution qui nous permet de modéliser les processus, de développer des tableaux de bord et de maîtriser le lien qui existe entre l'investissement en compétences et la production de performance. Et là, je peux l'écouter davantage. Jean-Pierre, vous avez besoin de ça pour quel secteur? Il me dit, par exemple, le secteur du transport. Oui, Jean-Pierre, transport aérien ou plutôt transport terrestre? Il me dit, non, non, c'est plutôt transport des navires. Est-ce que vous avez déjà un client, Jean-Pierre? Oui, j'en ai un client. C'est qui ce client-là? C'est tel client. C'est quoi les processus qu'il veut modéliser? C'est quoi sa problématique? Donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'expliquer ou d'écouter? D'écouter. D'écouter, d'interpeller, pour que je puisse par après mettre le point sur l'I et non pas sur le B, ni sur le C. On va mettre les points sur les I. Ça va les amis? Comprenez un peu l'expression, mettre le point sur les I. Oui. Clarifier, expliquer. Donc, c'est-à-dire faire correspondre la fonctionnalité de mon produit aux besoins très spécifiques exprimé par le client de Jean-Pierre à travers Jean-Pierre. Ça va, les amis? Oui. Très bien. Maintenant, si jamais on arrive à persuader quelqu'un ou l'encourage, on veut commencer à entreprendre, est-ce que pour entreprendre, est-ce qu'on peut directement affecter des ressources avant d'estimer la charge de travail nécessaire pour entreprendre le projet d'amélioration ou entreprendre l'exécution de ce qu'on a conçu ou projeté? Est-ce qu'on peut affecter les ressources avant d'estimer la charge du travail? Je ne pense pas. Moi, non. Personnellement, je ne crois pas. Donc, on doit commencer par estimer, puis après ça, affecter, puis après ça, synchroniser le travail entre les différentes personnes qu'on a affectées pour qu'on puisse bien piloter la performance du projet. Du projet. Ça va, les amis? Oui, ça va. De mon côté. Si jamais on essaie de piloter par des indicateurs et des tableaux de bord, sans être certain que le travail est synchronisé entre les différents départements et les différents pilotes de process, on ne va créer que du stress sur l'équipe qui est en train de contribuer à un projet. Guy, est-ce que tu es d'accord? Oui, tout à fait. Si on synchronise le travail entre des gens dans lesquels on n'a pas contribué et on ne comprend pas le pourquoi de l'affectation, c'est qu'on va synchroniser le travail entre des gens qui ne sont pas nécessairement mis à la bonne place. Si on affecte des rôles et responsabilités à des personnes sans nécessairement faire la bonne estimation de la charge de travail nécessaire, on risque d'avoir des gens qui sont surchargés et d'autres qui sont sous-chargés. Ça va, les amis? Oui, ça va. Oui, ça va. Très bien. Une fois qu'on pilote, cela veut dire qu'on va avoir des indicateurs de performance. Supposons qu'on trouve un écart entre la valeur cible et la valeur qu'on vient de collecter. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout d'abord vérifier en tant qu'expert si les valeurs qui nous ont été communiquées
étaient les bonnes valeurs. Ils proviennent de la source et ils sont relativement fiables. Ça va, les amis? Oui, ça va. Et si jamais on a fait cette vérification, on peut détecter les non-conformités, les documenter et valider la meilleure façon d'entreprendre. C'est quoi le risque de valider quelque chose qui n'est pas documenté? Le risque il est grand parce que c'est comme un bateau qui n'avait pas de boussole. Parce que la documentation d'un projet, ça vous permet de savoir d'où nous partons et d'où nous devons y arriver, mais comment y arriver en passant par quel chemin. Le cheminement, c'est par la documentation. Tout à fait. Donc, si je valide quelque chose qui n'est pas documenté, je suis à la merci de la mémoire des gens. Évidemment. Pour reprendre la chose conformément par rapport à ce qui a été préconisé. Très bien. C'est quoi le danger de documenter quelque chose qui n'a pas été vérifié? Excellent. Il n'y a pas de traçabilité. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord que dans la vie, quel que soit notre rôle, ou notre entreprise, ou notre secteur, ou là où nous sommes, on a quatre rôles principaux. Le rôle d'architecte, le rôle de promoteur, le rôle d'entrepreneur et le rôle d'expert. Le modèle qu'on vient de voir est un modèle qu'on appelle Rancho. Le modèle Rancho, c'est un modèle de développement de leadership chez les managers. Ce modèle a été mis en place dans pas mal de multinationales par le groupe International Consulting Canada en partenariat avec nos partenaires locaux en Tunisie, en Suisse, au Cameroun, au Maroc et différents pays. Donc, c'est quoi ce modèle-là? Ce modèle, il est originaire dans sa première version de Toyota. C'est un peu un modèle qui va améliorer les outils Lean et les chantiers Lean et toute l'approche d'amélioration continue qui existe aujourd'hui dans pas mal d'entreprises et qui se retrouve dans un statut qui n'est pas nécessairement très bien maîtrisé. Et donc, Toyota a développé ce nouveau concept qui s'appelle Rancho, et Rancho veut dire team leader, et dans lequel ce qu'on veut, c'est avoir des personnes responsables à tous les niveaux, commençant de l'opérateur jusqu'à arriver au directeur général, en mettant tout le monde dans une dynamique d'amélioration continue qui ne va plus être le PDCA, c'est-à-dire plan, do, check and adjust. Ça va être plutôt le API, cela veut dire architecte, promoteur, entrepreneur et expert. En d'autres termes, si vous faites l'analyse de personnalité, vous allez retrouver qu'il y a quatre déterminants de personnalité. Il y a ce qu'on appelle la source de décision, qui va influencer l'équilibre entre l'émotion et la raison. La source d'énergie, qui va influencer l'équilibre entre l'interne et l'externe. La source d'apprentissage, qui va influencer l'équilibre entre la sensation et l'intuition, et la source de contrôle qui va influencer l'équilibre entre le jugement et la perception. L'idéal, c'est d'avoir des sources équilibrées. Et à travers le modèle MBTI, qui est un modèle américain de Myers-Briggs Type Indicator, on peut se positionner par rapport à 16 personnalités différentes, mais nous, on a travaillé un peu sur ces 16 personnalités pour les regrouper en quatre personnalités très importantes qui sont ce qu'on a appelé
les Kosoka, les Sufonsa, les Shokunin et les Technicians. C'est quoi ces profils de personnalité? La première question qu'on doit se poser, est-ce que un bon manager devrait être, d'après vous, un bon analyste, ou plutôt un bon diplomate, ou un bon logisticien, ou un bon expert, ou explorateur? Un bon leader, ça devrait être quoi, d'après vous? Monsieur le ministre, vous permettez? Oui, allez-y. Est-ce que vous pouvez demander à tous les participants s'ils sont dans à domicile ou de couper le micro? Oui, si quand possible. La parole, ils activent le micro et après ils coupent le micro. Oui, que... merci beaucoup, Diallo. Donc, j'ai coupé tous les micros et je vous supplie, les personnes qui sont à domicile ou qui ont beaucoup de bruit, de mettre en off leur micro et de le mettre en on seulement quand ils veulent participer. Voilà, maintenant, je veux que vous reveniez sur la question, s'il vous plaît. Très bien. Donc, ma question, c'est que, d'après vous, un bon manager, c'est un bon architecte, c'est un bon promoteur, c'est un bon entrepreneur ou c'est un bon expert? Bonjour, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Mohamedou. En fait, pour vous moi, appelez de quel personnellement… Pays, Mohamedou, Mohamedou, vous vous appelez de quel pays? Oui. Je suis du Sénégal, à Dakar. Très bien. Bienvenue à nos frères du Sénégal. Merci infiniment. En fait, pour moi, par exemple, pour moi, personnellement, normalement, il doit être, par exemple, un bon analyste. Un bon analyste. Très bien. Les autres personnes, est-ce qu'ils partagent le même avis que Mohamedou? Brahima? Oui, Cheikh Omar. Je viens de Burkina. Vous êtes de Burkina Faso? Oui. Bienvenue. Selon moi, merci. Selon moi, un bon leader, c'est celui qui regroupe à la fois le caractère d'analyste, de diplomate, de logisticien, d'explorateur. Très bien. MD Slight, c'est qui? Oui, c'est M. Batiano Amadou. Oui, Amadou, vous nous appelez de quel pays? Je vous appelle de la Guinée-Conakry. De la Guinée-Conakry. Oui, oui. Alors, au fait, pour moi, un manager, c'est quelqu'un qui doit être, par exemple, comme un père de famille, c'est-à-dire quelqu'un qui doit savoir très bien gérer son entreprise. Il doit être un exemplaire. C'est-à-dire, il doit être architecte, promoteur, voilà, architecte, c'est-à-dire, oui, oui, effectivement. D'après vous, il devrait être quoi? C'est-à-dire, vous pouvez répéter la question parce que tout ce temps, je ne vous captais pas très bien. L'internet n'était pas bien ici chez nous. OK. Est-ce que vous pensez qu'un bon manager devrait être plus un architecte, un promoteur, un entrepreneur ou un expert? Exact. Effectivement, je pense qu'un manager doit être plus qu'un architecte ou un entrepreneur. Parce que là, si, par exemple, une fois qu'on est manager, ça veut dire qu'on est responsable d'une entité, d'un groupe à gérer. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est à lui de savoir cerner son équipe, savoir leur mener là où il veut qu'il soit. Et si le manager n'a pas ses procédures ou bien ses étapes, ça sera difficile de gérer son entreprise. Excellent, excellent. Très bien, d'autres avis? Moi, je dirais. Oui, allez-y. Mais il y a M. Guy qui veut déjà parler. Oui, vas-y, Guy. Allez-y. Ouais. Moi, je dirais qu'un bon manager est plutôt un architecte, car il regroupe plusieurs qualités, notamment l'aptitude à l'analyse, l'interprétation et la projection. Et ensuite, très bien. Selon la constitution de son équipe,
les rôles seront partagés afin de mener à bien toutes ces missions. On sait très bien. On n'est pas de ce monde. Très bien. Maintenant, ma question. Oui. Ma question. Juste une autre question, s'il vous plaît. Allez-y. Est-ce que d'après vous, quelqu'un qui est trop architecte et peu entrepreneur par rapport à quelqu'un qui est moyen dans les deux, qui va réussir le plus? Vous pouvez répéter la question? J'ai deux personnes. Je veux recruter un directeur général oui. de notre filiale, par exemple à Guinée-Conakry. Oui. J'ai Amadou et j'ai Ibrahima. Oui. J'ai, par exemple, Ibrahima, qui est trop architecte. Oui. Mais il est peu promoteur. Oui. Il n'a pas beaucoup de diplomatie. Oui. Et j'ai Amadou, qui est moyen en termes d'architecte, oui. d'analyste, et il est moyen en termes de promoteur. C'est-à-dire, il s'en sort en tant qu'architecte, il s'en sort en tant que diplomate. Ibrahima le dépasse de loin sur le plan conceptuel, analytique, mais malheureusement, Ibrahima n'a pas les bonnes manières. C'est-à-dire, il n'arrive pas à vendre les idées qu'il a. Il a beaucoup d'idées, il est très intelligent, mais malheureusement, il communique mal. Lequel, d'après vous, je dois recruter? Ibrahima ou plutôt Amadou? Oui, là, je pense que c'est mieux de recruter l'architecte. Parce qu'une fois qu'on ne sait pas parler, une fois qu'on ne sait pas communiquer ce que l'on veut, ça devient un peu difficile, la communication. Ça serait difficile de transmettre ce qu'on veut transmettre. Donc, vous recrutez la personne qui est balancée entre les deux. Voilà, exactement. Vous êtes d'accord, tout le monde? Oui. Monsieur? Oui, allez-y. Oui. Moi, je suis d'accord. Oui, il y a quelqu'un qui veut... Oui? Oui, monsieur. Oui, Shaima, oui. Merci, monsieur. Je crois vous appelez de quel pays, qu'il doit recruter du Maroc. Vous êtes de quel pays? Je suis du Maroc, monsieur. Comment? Du Maroc. Du Maroc. Du Maroc. Bienvenue, Shaima. Oui. Merci, bienvenue monsieur. À nos frères marocains. Merci infiniment. Je pense qu'on doit recruter quelqu'un qui est polyvalent, car il va avoir des visions différentes et il va juste trouver la meilleure adéquation entre ces différents caractères. Très bien. Donc, vous êtes plus pour le recrutement de quelqu'un qui est équilibré entre les quatre. Cela veut dire qui est quelque part, entre le promoteur et l'architecte, l'entrepreneur et l'expert. C'est quelqu'un qui est capable d'avoir une idée, même si elle n'est pas trop smart, mais qui est capable de la faire promouvoir, de l'entreprendre et de jouer le rôle d'expert. C'est ça? Oui, c'est bien ça, monsieur. Oui, monsieur c'est bien Moutil. Ça. Très bien. Donc là, la question qui se pose, comment est-ce que je peux devenir quelqu'un d'équilibré? Comment est-ce que je peux équilibrer ma personnalité entre ces quatre-là? C'est quoi les rôles et responsabilités d'un architecte? C'est quoi les rôles et responsabilités d'un promoteur? C'est quoi les rôles et responsabilités d'un entrepreneur? Et c'est quoi les rôles et responsabilités d'un expert? C'est quoi les tempéraments de ces gens-là? Est-ce qu'il y a une différence entre les différents architectes? Est-ce qu'il y a des variances? Est-ce qu'il y a des architectes de différentes catégories? Donc, c'est ça ce qu'on va voir. En fait, d'après le modèle Rancho, on peut avoir quatre catégories d'architectes. Le premier architecte, c'est ce qu'on appelle l'architecte scientifique. Et donc, si vous vous souvenez bien,
dans le slide de tout à l'heure, on a dit la première chose, c'est de comprendre. Ça va, les amis? Ouais. Et pour comprendre, on doit être architecte scientifique. Après ça, on peut diriger un peu l'attention ou notre attention vers un sens plutôt qu'un autre. Et on va jouer le rôle d'analyste. C'est l'architecte dirigeant. Il va diriger. On ne peut pas avoir une direction sans faire une analyse. On ne peut pas prendre une direction avant d'analyser. Le troisième profil, une fois qu'on a pris une décision ou une direction, on peut inventer et on peut devenir visionnaire. Et là, on parle de quatre profils d'architectes qui sont l'architecte scientifique, l'architecte dirigeant, l'architecte inventeur et l'architecte visionnaire. Et pour ces quatre profils, Michel? Oui. Michel. Oui, allez-y. Est-ce qu'il va y avoir une différence entre l'architecte inventeur et l'architecte visionnaire? Si oui. Normalement, on va par exemple initier les deux pour le mettre, pour par exemple mettre un nom qui va être par exemple architecte, par exemple innovatrice. Ok, excellent. Excellent architecte innovateur, au moins. Ok. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est généralement l'architecte scientifique. C'est quoi la différence entre l'architecte scientifique, l'architecte dirigeant? On voit un peu les chiffres ici, INTJ. L'architecte scientifique, c'est un introverti par rapport au dirigeant. C'est-à-dire, quand je commence dans une entreprise, je dois comprendre la situation, donc je dois être un peu introverti. Je vais beaucoup plus écouter que parler. Et quand je comprends une situation, après ça, je vais être extraverti pour exposer ce que j'ai compris. Vous êtes d'accord, les amis? Donc, on va passer du prudent dans ces relations au relationnel et sociable. Oui, Amadou. Je voulais poser une question, à savoir, je veux savoir s'il y a une différence entre un architecte dirigeant et architecte visionnaire. Je veux savoir s'il y a une différence entre les deux. Oui, je suis en train d'expliquer ces différences-là. Donc, je commence. Oui. Je commence tout d'abord par dire tous les architectes sont des gens qui sont intuitifs, c'est-à-dire ils s'appuient beaucoup plus sur leur intuition et ils sont rationnels dans leurs décisions. Oui. Donc, le profil, ça va être au milieu, NT. Est-ce que tout le monde voit le N qui est en vert? Ça va, tout le monde le voit? Oui. Tout le monde voit le T qui est en orangé? Je le vois. Ça, c'est tout ce qui est commun entre tous les architectes. Ça va, les amis? Bon. Est-ce que tout le monde est d'accord qu'un architecte devrait être quelqu'un qui est à la fois intuitif et rationnel? Oui. On ne peut pas avoir un architecte qui n'est pas intuitif parce qu'il va travailler sur les concepts. Mmh. Il ne va pas travailler sur quelque chose de sensation. Il va travailler sur des idées. Donc, il est intuitif. Et il doit être trop rationnel qu'émotionnel. Ça va, les amis? Je vais revenir ici, hein, parce que je n'ai pas très bien peut-être expliqué ce schéma-là. Très bien. Juste parce que ça, on le prend dans le cadre d'une formation certifiante, je vais le résumer pour vous. Hein. Donc, l'architecte et le promoteur, ils sont dans un monde conceptuel. On n'a pas encore mis en place la solution ou le produit ou le process. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui.
Donc, généralement, on est dans l'intuitivité. On n'est pas dans la sensation. On n'est pas dans la réalité. Ça va, les amis? Oui. On est dans les idées. Donc, on doit être intuitif. Et dans l'intuition, on va utiliser le terme N ou la lettre N. Ça va, les amis? Oui, ça va. Très bien. Par contre, le logisticien, l'entrepreneur et l'expert, ils sont dans le process. Ils sont dans la réalité, dans l'exécution. Donc, ils doivent être sensation. Ça va, les amis? Oui, ça va. Par contre, quelqu'un qui est équilibré entre l'intuition et la sensation, il peut jouer les quatre rôles. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire, quelqu'un équilibré entre la sensation et l'intuition? Qu'est-ce que ça veut dire, quelqu'un d'équilibré entre la sensation et l'intuition? C'est quelqu'un qui, selon la circonstance, il peut aller dans le monde conceptuel des fois et descendre très rapidement dans le monde réel du concret. Ça va, les amis? Et donc, c'est quelqu'un qui peut jouer les quatre rôles. Quelqu'un qui n'est qu'intuitif, il n'est pas sensation. Il peut jouer le rôle d'architecte et promoteur, mais c'est difficile pour lui de jouer le rôle du logisticien ou de l'expert. Ça va, les amis? Maintenant, dans l'intuitif, on peut être plus orienté réflexion ou plus orienté émotion. Ça va, les amis? Les gens qui sont plus orientés réflexion, ils vont être beaucoup plus performants quand ils sont architectes et quand ils jouent le rôle d'analyse que quand ils sont promoteurs, là où ils jouent le rôle de diplomate. Les diplomates, ils doivent être des gens qui sont plus émotifs, rationnels, parce qu'ils vont créer des relations. Ça va, les amis? Ça va, les amis? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est bon. C'est bon, Nala. Excellent. Non, c'est bon. C'est bon, Michel. Maintenant, si on s'en va de l'autre côté, c'est-à-dire les gens qui sont beaucoup plus sensations, les gens qui utilisent plus leurs cinq sens qu'ils utilisent le sixième sens. Ces gens-là, généralement, sont plus sensations. Et donc, on va retrouver deux catégories. Ceux qui sont juges, judgment, et ceux qui sont perceptuels. C'est quoi la différence? Ceux qui sont juges, ils sont beaucoup plus des gens qui sont plus ou moins rationnels, qui travaillent avec des normes, des réglementations. Ça va? Des lois. Alors que les gens qui sont perceptuels, ils sont plus dans le futur. Ils ne sont pas dans le présent. Et donc, généralement, ce sont des gens qui peuvent innover, qui peuvent créer de nouvelles façons de faire. Ce sont généralement des experts. Les autres sont plus des jugements, des logisticiens. Un logisticien, il doit être trop ordonné. Ça va, les amis? Et donc, si on passe un peu aux sous-profits, donc là, on a les grands profits, mais là, on a les sous-profits. Dans l'architecte, on va trouver les architectes scientifiques. C'est-à-dire, ils sont tous des intuitifs, thinking, comme on a dit tout à l'heure, sauf que l'architecte scientifique, c'est quelqu'un d'introverti jugement. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de se concentrer sur des données qu'il a collectées, sur des informations qu'il a collectées, et va les analyser, il va les comprendre avant de les analyser, et va se concentrer sur le présent, c'est-à-dire ce qu'on a aujourd'hui, et non pas ce qu'on aurait demain. Et donc, il est plutôt scientifique.
Après ça, il va diriger un peu les analyses et les réflexions vers un sens plutôt qu'un autre. Et il doit convaincre quelque part le petit entourage d'architectes qui sont là avec lui. Et il va diriger vers un sens et il doit être un peu expressif, donc extraverti. Donc il va passer de l'introvertisme à l'extravertisme, du I ou E. Mais il va rester toujours dans le réalisme, dans le jugement. Maintenant, une fois que son entourage est convaincu de la direction qu'il va prendre, là, il a de la flexibilité pour inventer une nouvelle idée, une nouvelle façon de faire. Mais pour le faire, il a besoin de concentration. Il va retourner vers son introvertisme. Mais puisqu'il va innover, il doit avoir une certaine image du futur. C'est pour ça qu'il doit être dans la couleur jaune, plus perceptuelle. Ça va, les amis? Donc, il va être introverti, perceptuel, IP. Maintenant, une fois qu'il a innové, qu'il a créé une nouvelle façon, il doit quelque part commencer à la vendre. À qui il va vendre? Il va vendre au promoteur. Donc, il va exposer cette nouvelle idée, ce nouveau plan, cette nouvelle façon qui représente une vision future. Et donc, c'est pour ça qu'il a besoin d'être visionnaire. Ça va, les amis? Ça va maintenant, Amadou? Oui, ça va. Oui, ça va. Très bien. Et donc, qu'il soit architecte, scientifique, dirigeant, inventeur ou visionnaire, il va utiliser principalement ses compétences relié au profit qu'on appelle le profit. C'est Saïdou qui t'appelait. Attends, je te mets. Du Kosoka. Saïdou, réception. C'est-à-dire quelqu'un, le Kosoka, c'est quelqu'un qui va plutôt comprendre, analyser, interpréter et décider avec quatre niveaux qui sont le niveau réactif, actif, proactif et stratège. Et donc là, on a intégré le modèle canadien qu'on appelle le modèle RAPS. Et selon le modèle canadien, dans la vie, on ne peut pas être stratège si on n'est pas proactif. Si on est stratège et on n'est pas proactif, généralement, on est dans la passivité. On est en train de créer des idées sans nécessairement avoir une idée comment ça se concrétise. Je vous donne un exemple. Les gens qu'on trouve dans les cafés en train de discuter les problématiques du pays et de développer des idées, des idéologies, est-ce qu'on peut les qualifier comme stratèges alors qu'ils sont juste en train de boire un café? Est-ce qu'ils peuvent être les stratèges de nos pays? Non, parce qu'ils ne sont pas dans l'activité, ils sont plutôt dans la passivité. Ce sont des gens passifs. Est-ce que tout le monde est d'accord? Les amis, vous êtes d'accord? Oui, Karine. Oui, oui. Des gens qui se prétendent à être stratèges alors qu'ils n'ont jamais été actifs ni proactifs, eh bien, ce sont des gens qui sont passifs. Ils ne sont même pas dans cette échelle-là. Pour être stratège, on doit être proactif. Pour être proactif, on doit tout d'abord être actif. Mais on ne peut pas être actif si on ne réagit pas, si on est passif. Et donc, je donne un exemple. Pour comprendre une situation, le réactif, il va comprendre les données qu'on lui donne. Alors que l'actif, il va comprendre le lien entre les données historiques. Et le proactif, il va explorer les besoins en données de chaque situation rencontrée. Et le stratège, il va créer et développer des mécanismes et outils. Ça va, les amis?
Oui, ça va. Très bien. Maintenant, les promoteurs, on va avoir des promoteurs avocats, comédiens, médiateurs et inspirateurs. On va avoir les entrepreneurs, logisticiens, directeurs, protecteurs et consuls. On va avoir les experts, maîtres, mercenaires, artistes et amuseurs. Et dans la formation Rancho, on va passer en revue tous ces profils-là. On va faire notre propre analyse de personnalité, notre propre profiling. On va apprendre comment faire un profiling par rapport à une fonction et un poste de travail. Donc ça, c'était une introduction par rapport à la formation d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on va présenter maintenant, tout d'abord, je vais me présenter à tous ceux qui ne me connaissent pas. Puis après ça, je vais présenter rapidement International Consulting Canada et le programme de formation certifiante des compétences managériales. Et donc, moi, c'est Moufid, je suis le père de 4 enfants. Donc, mes 4 enfants, l'un a étudié à l'École polytechnique de Montréal. Et donc, lui, il est en train de gérer une équipe informatique en Tunisie. Donc, à distance, donc, il est ici à Montréal avec nous, mais il gère une équipe en Tunisie qui sont en train de nous développer la nouvelle version du KMS, du Knowledge Management System. J'ai une autre fille qui est en Master 2 en France, qui est mariée à un ingénieur génie civil. J'ai une troisième fille qui étudie en gestion de projet. Et j'ai un garçon qui étudie en enseignement secondaire. Donc, pour devenir enseignant secondaire, il étudie à l'Université de Montréal. Moi, personnellement, donc, je suis de la Tunisie, originaire de la Tunisie. Je suis né en 1986 à Sfax, dans une ville au centre de la Tunisie. J'ai immigré au Canada depuis 1986. Donc, j'ai étudié avec une bourse d'études du gouvernement tunisien, une bourse d'excellence. Donc, j'ai étudié à l'Université Laval, à l'Université du Québec tout d'abord. J'ai fait un diplôme d'ingénieur en génie mécanique manufacturier. Puis après ça, en 1991, j'ai fait ma première mission. J'ai fait un master en robotique industrielle. Et en 1991, j'ai fait une mission dans le cadre d'un PhD doctorat avec l'Université Laval, une mission de modélisation du savoir-faire humain chez Renault en France, dans le but de créer un knowledge management system, un système à base de connaissances pour capitaliser les connaissances dans le domaine de l'ingénierie chez Renault en France. En 1993, je suis revenu au Canada, 1994 plutôt, là où j'ai travaillé pour Canimex, une entreprise canadienne. Donc là où j'ai travaillé sur la modélisation du savoir-faire des ingénieurs de conception. Puis, j'ai fait un MBA, un Master in Business Administration à l'Université Laval. Après ça, l'application, c'était le gouvernement turc. Donc, je suis allé en Turquie, là où j'ai mis en place avec un groupe de chercheurs, un laboratoire de recherche dans le domaine de l'intelligence collective. Et plus précisément, dans tout ce qui est rationalisation des investissements dans les technologies de l'information. Après ça, je suis revenu au Canada en 1997, là où j'ai travaillé en tant que conseiller du commandement des forces de l'air canado-américaines. Depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, j'ai contribué à la création d'un réseau d'affaires à travers le monde, donc un réseau de partenaires d'affaires dans 30 pays différents. Notre mission d'International Consulting Canada avec tous nos partenaires d'affaires à travers le monde, c'est d'accompagner les entreprises à emprunter le chemin de l'excellence à travers des consultants praticiens, multidisciplinaires et experts. Nous avons parmi les meilleurs investisseurs dans ce créneau-là, c'est M. Jean-Pierre Benoît qui est avec nous et qui est en train d'investir dans du capital humain principalement en Afrique, mais aussi en Suisse. Et c'est quelqu'un qui est extraordinaire en termes de croyance sur le capital humain et la capacité des gens
à devenir expert à travers l'intelligence collective qu'on est en train de développer ensemble. Il a aussi contribué dans l'amélioration de notre système de management intégré, donc KMS, le Knowledge Management System, qui capitalise l'intelligence collective. Donc, nous sommes aujourd'hui plus que 980 consultants et managers dans 30 pays différents, principalement en Afrique, mais aussi en Europe, en Amérique du Nord, ici, et en Asie. Nos valeurs, nous partageons le savoir-faire, nous travaillons un peu dans l'innovation, nous nous engageons à fournir des solutions adaptées au contexte de nos pays, nos entreprises et nos filiales à travers le monde, et tout ça dans la rigueur et la perfection. Grâce à notre réseau de partenaires d'affaires à travers le monde, nous avons pu servir les plus grandes multinationales dans différents secteurs, que ce soit l'automobile, l'électrique, l'aéronautique, la construction, tout ce qui est chimique, métallique, des gouvernements, etc. Nous avons développé beaucoup de partenaires à travers le monde, dans différents secteurs d'activité, et nous en sommes fiers. À travers tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, et grâce à nos partenaires locaux, on a développé une certification canadienne, c'est une reconnaissance des compétences managériales. Donc, à travers cette certification, les personnes qui vont être certifiées vont travailler sur l'amélioration des compétences dans trois créneaux, qui sont le développement du capital humain, la modélisation et la réingénierie des processus d'affaires et la modélisation et réingénierie des tableaux de bord. On a presque un cycle par mois, donc on commence presque tous les débuts de mois un cycle de formation sur trois mois. Et donc, on a généralement deux ou trois groupes qui sont en train d'être formés en parallèle. Et ces groupes-là sont généralement des groupes qui sont composés en équipe. Et on a généralement quatre équipes qui sont formées. Une équipe qui sont les gens qui sont intéressés par le domaine du management de projet. Une équipe, ce sont les gens qui sont intéressés par le management des entreprises industrielles, une équipe qui sont plus intéressées par le management des sociétés de services et une autre équipe qui sont plus intéressées par le management des entreprises publiques. Donc, cette certification, ça comprend un peu ce que vous avez vu aujourd'hui dans le module Hancho. Donc, on certifie les gens sur la maîtrise du domaine du Hancho à travers la maîtrise des quatre profils qui sont le Kosoka, le Sufunsa, le Shokunin et le Technician. Dans le module BPR, on apprend ensemble comment modéliser des processus d'affaires, comment orienter un processus classique vers de la valeur ajoutée aux clients et aux actionnaires. Et dans le module tableau de bord, BSC, Balance Scorecard, on apprend ensemble comment modéliser et faire la réingénierie des tableaux de bord prospectifs. Tout ça en utilisant notre plateforme de modélisation des processus, des KPI, des tableaux de bord et des compétences. La formation, généralement, c'est une formation de 12 semaines en alternance. Une semaine de formation et une semaine de mise en pratique. Donc, les formations, ça va être tous les jours de 18h30 à 20h, heure universelle. Donc, ça va être presque en soirée pour la majorité des pays africains et européens. Ça va être vers l'heure de midi ici à Montréal. Et donc, généralement, la première semaine, c'est une semaine de présentation. Là, on va présenter le programme en détail et les participants auront à se présenter et présenter leurs attentes. La première semaine, ça va être du dimanche
ça va être de la formation. Lundi, ça va être plutôt des ateliers pratiques. Le mardi, ça va être de la formation sur les processus. Le mercredi, ça va être des ateliers pratiques sur la modélisation de process en utilisant notre plateforme. Le jeudi, ça va être de la formation sur la modélisation des tableaux de bord. Le vendredi, ça va être des ateliers pratiques sur la plateforme KMS. Donc, la première semaine, on a dit que ça va être une semaine de formation et d'ateliers pratiques. La semaine 2, ça va être une semaine de repos. Et ça va permettre aux gens qui veulent appliquer, d'appliquer dans leur contexte. La semaine 3, ça va être une semaine d'études de cas. Et donc là, on va prendre des fonctions managériales, on va les analyser, on va modéliser des processus métiers et on va développer des tableaux de bord métiers. La semaine 4, ça va être une semaine de repos. La semaine 5, ça va être une semaine de modélisation. Est-ce qu'on peut analyser un poste, modéliser un processus d'affaires et transformer un tableau de bord métier en un tableau de bord financier orienté pour les actionnaires. La semaine 6, ça va être une semaine de repos. La semaine 7, ça va être une semaine de management de projet. Là, on va apprendre ensemble comment définir des termes de référence d'un projet de consulting intégré qui intègre les trois dimensions. La dimension HO, BPR et BSC. La semaine 9, ça va être une semaine de prototypage. On va apprendre ensemble le métier de consultant technico-commercial, c'est-à-dire comment préparer une offre HO, comment préparer une offre technique et financière BPR et comment préparer une offre technique et financière BSC. Balance Scorecard. La semaine 10, ça va être une semaine de repos. Et la semaine 11, ça va être une semaine de préparation des rapports que vous allez préparer et présenter pour votre certification de consultant international. Et la semaine 12, ça va être la semaine de présentation des travaux et de certification. Le comité international qui va chapeauter cette activité et va évaluer vos compétences, ça va être composé de consultants de la Tunisie, de la Suisse, de la Suède, du Maroc et du Canada. Et donc, ce sont des consultants et des experts du domaine financier, du domaine industriel, du domaine de la médecine, du domaine de l'ingénierie, de la psychosociologie, etc. Donc, en résumé, ce qu'on propose, c'est des modules de base pour ceux qui commencent avec nous, qui ont été créés depuis 2020. C'est les modules HANCHO. Là, on apprend comment on gère les compétences. Le module BPR, là, on apprend comment on gère des processus. Et le module BSC, là, on apprend comment on gère la performance. À ces modules-là, les gens qui veulent continuer avec nous et devenir des experts métiers, ils peuvent investir dans tout ce qui est formation et certification, dans l'ISO 22301, dans tout ce qui est plan de continuité de l'activité, dans la RSE ou dans le KMS, donc dans la responsabilité sociale des entreprises, ou devenir certifié dans le knowledge management et le domaine de gestion des connaissances et la digitalisation des entreprises. Donc, les gens qui vont faire le PCA vont apprendre comment définir les termes de référence d'un projet PCA, le processus de mise en place d'un PCA et l'ISO 22301. Les gens qui vont continuer avec nous dans le RSE, ils vont continuer avec comment définir les termes de référence d'un projet de responsabilité sociale des entreprises, c'est quoi le processus de mise en œuvre et comment rendre un projet classique un projet RSE. Les gens qui vont continuer avec la digitalisation, le profit digitalisation, ils vont apprendre comment digitaliser une entreprise, comment développer un BI, un Business Intelligence et un KMS pour une entreprise. Après ça, on a trois autres formations qui sont le circuit Lean, les gens qui sont intéressés par l'amélioration continue, les gens qui sont intéressés par tout ce qui est PNL et négociation,
Donc, tout ce qui est intelligence émotionnelle, intelligence sociale et négociation, et les gens qui sont intéressés par le profil de project manager. Donc, on offre trois formations de base qui vont être organisées en avril, mai et juin. Et à partir de septembre, ça va être des formations spécifiques selon l'orientation que vous allez choisir. Donc, les formations, ça va être un mois pour la prise de connaissance du domaine et la maîtrise du domaine, un deuxième mois pour la mise en pratique et un troisième mois pour la dynamique d'amélioration continue pour arriver à la certification. Le processus de développement de compétences, donc ça va comprendre trois étapes essentielles. La première étape de connaissance, donc là où vous allez acquérir des connaissances sur le sujet. L'étape d'entraînement, ça va être lancé dès le premier mois, mais surtout le deuxième mois, là où vous allez exercer pour développer vos compétences. Et le troisième mois, ça va être sur comment est-ce que vous pouvez rentrer dans une dynamique d'amélioration continue de vos connaissances et de vos compétences dans le domaine que vous avez choisi. Et pour devenir certifié et devenir consultant d'International Consulting Canada, vous devez passer des examens de certification à la fin du troisième mois. Les livrables, ça va être des rapports et des QCM pour le premier mois, des mises en situation le deuxième mois, des rapports et des études de cas qui vont être tous envoyés aux membres du jury qui vont évaluer vos travaux et vous délivrer la certification en conséquence. Donc, la stratégie d'apprentissage, ça va comprendre 6 axes, la formation, l'entraînement, l'amélioration continue, les travaux pratiques, le coaching de proximité à la préparation à la certification et la certification. Et ça va se passer sur 3 mois. Très bien. Donc, pour le programme Hanshou, donc l'apprentissage, on va apprendre le profiling. C'est presque ce qu'on a vu aujourd'hui avec plus de détails. L'analyse de la fonction managériale, l'analyse du poste managérial et la maîtrise des liens fonction, tâche, compétence. Donc, on va détailler dans les formations ce qu'on a vu aujourd'hui pour le Hanshou et on va utiliser une plateforme pour la modélisation des fonctions, la création des tâches, le lien entre les tâches et les compétences, comment développer un référentiel de compétences, comment attacher le référentiel de compétences au niveau et comment est-ce qu'on peut évaluer les niveaux de compétences requises pour chaque tâche. Après ça, on va apprendre comment analyser un poste, comment utiliser la méthode 6M pour analyser un poste de travail. On va apprendre comment définir une charte de projet Hanshou. On va apprendre comment exploiter la plateforme de management de projet de KMS pour gérer vos projets. Le deuxième module, ça va être le BPR. Et donc, le BPR, ça va être tous les mardis et mercredis. Donc, ça va durer 12 semaines de formation en alternance. Là, on va apprendre comment orienter une entreprise process, comment instaurer la relation client-fournisseur interne et comment créer des flux et améliorer la réactivité et maîtriser les interactions. Vous allez apprendre à utiliser un logiciel de modélisation qui s'appelle QPR et créer une cartographie des process pour arriver à un niveau là où vous maîtrisez la génération des fiches de fonction, les organigrammes, la modélisation des processus et la simulation des process et l'interprétation des résultats de simulation, que ce soit en termes de taux d'exploitation des ressources ou en termes de goulots d'étranglement et comment on peut résoudre ces goulots d'étranglement. Dans la formation BSC, vous allez apprendre comment décliner des objectifs stratégiques en des objectifs opérationnels, comment créer des tableaux de bord financiers, clients, processus et ressources, et comment créer les liens entre ces tableaux de bord. Donc, on va apprendre comment créer des tableaux de bord, comment traduire les efforts qu'on fait au niveau ressources en des résultats au niveau process, les efforts qu'on fait au niveau process en des résultats au niveau satisfaction client, les efforts qu'on fait au niveau satisfaction client en des résultats financiers. On va apprendre aussi les étapes d'implémentation d'un BSC,
des choix stratégiques jusqu'aux facteurs clés de succès. Pour ça, on va utiliser la matrice couple produit-marché pour positionner nos produits, positionner nos couples produit-marché et définir l'importance stratégique de chaque couple produit-marché. Dans tout ça, on va utiliser la plateforme KMS. Donc, vous allez apprendre comment modéliser un tableau de bord, comment créer des indicateurs, comment paramétrer des indicateurs et comment générer des tableaux de bord avec des couleurs rouge, jaune et orangé et vert en fonction de la performance atteinte. Très bien, donc ça va être tout pour mon exposé. Est-ce que vous avez des questions? Ça va les amis? Ça va. Avez-vous des questions? Peut-être vous faites préciser que les étudiants ont accès à la plateforme pendant les exercices, etc. C'était important de le dire. Oui, oui. Merci Jean-Pierre. En fait, tous les participants, ils auront une licence gratuite pendant toute leur vie pour accéder aux différents modules pour réaliser leurs travaux et ils peuvent utiliser, bien sûr, après avoir été certifiés, ils peuvent utiliser cette plateforme-là pour réaliser leurs travaux auprès de leurs clients et poursuivre la performance. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, pour tous ceux qui veulent faire une inscription, donc vous n'avez qu'à remplir la fiche d'inscription que je viens de partager, donc je vais vous partager ça. Je l'ai partagé, M. Moufit. Très bien, merci. Ça va, les amis? Il y a des questions? Donc, le programme, ça va démarrer le 4 avril, c'est ça? Monsieur Omar? Donc, la semaine du 4 avril, ça va être une semaine de formation. Oui, c'est ça. La semaine du 11 avril, ça va être une semaine de repos. La semaine du 18 avril, ça va être une semaine de formation, ainsi de suite. Ça va, les amis? Ça va. Donc, l'investissement pour cette formation-là, ça va être 200 euros pour les 3 mois de formation, y compris la formation et la certification. Donc, 200 euros par module, ce qui veut dire 600 euros pour les 3 modules. Pour être inscrit, il faut commencer à payer une avance qui est de 200 euros pour les 3 modules que vous allez payer avant le démarrage, c'est-à-dire avant le 4 avril. Bien sûr, ceux qui payent avant seront les, disons, priorisés en termes de place pour le mois d'avril. Est-ce qu'on peut avoir ce budget? Si vous pouvez avoir quoi, Mohamedou? Oui, Mohamedou. Je demande est-ce qu'on peut avoir votre email, si c'est possible. Oui, est-ce qu'on peut avoir votre email, si c'est possible? Ah, mon email. Oui. Oui, avec grand plaisir. Donc, je viens de partager mon email.
Mais pour toute question concernant l'inscription, donc je vais vous ouvrir le lien d'inscription pour que vous voyez un peu comment le remplir. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Très bien. Donc là, vous avez le lien de confirmation préliminaire au programme de certification canadienne des compétences managériales. Vous inscrivez votre email. Puis après ça, vous confirmez votre inscription aux différents modules. Ça va? Donc ici, vous inscrivez votre email. Vous cochez le ou les thèmes pour lesquels vous êtes intéressé. Mettez votre civilité, votre nom de famille. Votre prénom. Ça va, maman? Tu veux que je t'aide? Votre numéro de téléphone, mais n'oubliez pas votre code régional. Tu veux un chalet? T'as fini de rêver, c'est ça? Ça m'avait entendu? Non, je n'ai pas entendu. Ça va, les amis? Entendu. Le pays d'où vous... où vous êtes, votre fonction, si vous êtes dans une entreprise, vous mettez la société dans laquelle vous travaillez, si vous êtes étudiant, vous mettez le nom de l'université ou de l'école là où vous êtes. Et dans la fonction, vous mettez étudiant. Donc là, vous mettez la date prévue de paiement de la première tranche. Reconcentre-toi, tu te Donc, supposons que c'est le 15. Je ne vais pas faire un peu de vélo avant de rattaquer pour te remettre. Donc, pédaler un peu avant de te lever. 2021, l'année. Après ça, le mois. Après ça, le jour. Et si vous êtes référé par un de nos référents, de nos représentant dans les différents pays, vous mettez le nom de représentant qui vous a référé et vous envoyez. Ça va, les amis? Donc, une fois que vous avez envoyé la première fois, vous pouvez modifier votre réponse à tout moment. Donc, vous cliquez sur « Modifier la réponse » et si vous voulez ajouter un fichier, par exemple, le reçu de paiement, vous n'avez qu'à l'attacher à votre réponse. Ça va, les amis? Oui, Michel. Mais Michel. Envoyez votre reçu de paiement à certifiedtrainings@iccanada.com. Pour les comptes, donc nous avons un compte à Burkina Faso en franc CFA. On a aussi un compte au Maroc, un compte en Tunisie, donc en monnaie locale. Et nous avons aussi un compte en Europe, en euros, et un compte au Canada, notre compte principal, qui est en dollars canadiens. Ça va, les amis? Donc, M. Omar vient de partager les numéros de compte pour la confirmation des paiements. Donc, il vous a mis les différents comptes. Et donc, pour
l'envoi, vous pouvez utiliser n'importe quelle façon d'envoi, donc que ce soit par Western Union, par RIA ou par autre moyen. Vous pouvez aussi effectuer un transfert, un versement. Le montant minimum, c'est 200 euros pour l'inscription aux 3 modules. Et vous avez 3 mois pour payer les 400 euros qui restent. Bien sûr, si vous voulez payer le tout en même temps, vous êtes les bienvenus, mais vous n'êtes pas obligés, hein? Donc, nous, nous réservons votre place aussitôt que vous avez envoyé votre reçu de paiement à certifiedtrainings@iccanada.com. Donc, si vous envoyez le reçu de paiement à moufit.caray, là, je ne garantis pas que vous serez donc accepté dans la session d'avril, mais utilisez plutôt certifiedtrainings@iccanada.com que je viens de partager. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Michel? Oui. Par exemple, si par exemple un représentant ou bien un étudiant fasse 2 modules et il ne fasse pas par exemple le 3e module, est-ce qu'il peut être présenté au niveau de la certification? Pour la certification, on doit être inscrit aux 3 modules pour devenir consultant polyvalent. Si on s'inscrit à 1 ou 2 modules, on va obtenir la certification pour les modules pour lesquels on est inscrit, mais on n'est pas reconnu comme consultant polyvalent d'International Consulting Canada. D'accord, d'accord, d'accord. Merci infiniment. Je vous en prie. Saisi. Donc, un consultant International Consulting Canada, c'est un consultant qui est reconnu par IC Canada et donc il peut contribuer à nos projets principalement dans son pays ou sa région, mais aussi dans les pays qui sont à l'international. C'est une certification qui passe par 3 étapes. La première étape, c'est la certification Yellow Belt, qui vous permet d'être référencé dans la liste de nos consultants juniors, c'est-à-dire nos consultants débutants qui débutent avec nous. Mais aussitôt que vous contribuez à un projet, vous réalisez quelque chose et donc vous obtenez automatiquement votre certification Green Belt. Et aussitôt que vous devenez un manager d'un projet, vous gérez un projet de façon autonome de A jusqu'à Z, vous obtenez votre Black Belt sans investissement supplémentaire. Hein. Alors, je voudrais préciser une chose qui est importante pour tous les participants, c'est que nous, depuis la Suisse, comme vous l'a dit Moufit tout à l'heure, on est à la recherche de consultants sur les projets qu'on gère à l'étranger. Donc, automatiquement, dès qu'on ressent la motivation d'un de des étudiants à participer à nos projets dont on leur parle, vous êtes très rapidement intégrés. J'ai des exemples avec des personnes du Cameroun qui ont été détectées comme des personnes très compétentes et très, très dynamiques, etc. Et j'ai tout de suite pris contact avec elles pour leur présenter des projets. Pareil au Maroc, etc. Donc, c'est ça qui est intéressant pour vous, c'est que la connaissance que vous transmet Moufid, elle est tout de suite mise en application à travers des projets très concrets que l'on gère depuis la Suisse et à l'international. Ça, c'est important de le savoir pour vous tous. Merci Jean-Pierre. En fait, c'est ça ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parmi nos alliés stratégiques, c'est Masoda, qui est en train d'investir dans des ressources en Afrique locale. Notre objectif, nous, Masoda, KG Group, c'est vraiment d'avoir des compétences locales au niveau des différents pays pour que, aussitôt qu'on aurait des projets dans ces pays-là, on a déjà un bassin de consultants locaux. Ça coûte beaucoup moins cher. Ouais. Et c'est surtout des gens qui connaissent
le contexte socio-culturel du pays et donc ils seront certainement beaucoup plus performants que nous. Exact. Est-ce qu'il y a des questions, les amis? Ça va pour le remplissage de la fiche? Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes à remplir ou à remplir? Moi, j'ai... Ouais. Oui, j'ai une question. Oui. Allô? Oui, allez-y, je vous écoute. Oui, OK, voilà. Et je voudrais poser la question de savoir, est-ce qu'en dehors des trois modules, est-ce qu'à votre niveau, il y a d'autres modules que vous dispensez? Oui, pour recevoir la liste complète de tous nos modules, vous n'avez qu'à contacter certifiedtraining@icecanada.com et là, ils vont vous envoyer tous les modules qu'on, okay. qu'on donne. Ok, ok. Mais généralement, les trois modules de base sont importants avant les autres modules parce que ça donne presque le noyau du métier de consultant. Un consultant qui ne maîtrise pas la modélisation et l'ingénierie des process va avoir de la difficulté à suivre les autres modules. Vous voyez? D'accord. Ça marche. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, les amis? Donc, juste pour votre information, la formation, ça va être tous les jours, sauf samedi. Donc, de dimanche à vendredi, de 18h30 à 20h, heure locale. Donc, Greenwich, c'est-à-dire heure universelle, ce qui va correspondre à presque la même heure, plus ou moins une heure, pour la majorité des pays africains et européens. Donc, nous, on a choisi que ça soit en soirée afin de permettre au maximum de personnes de participer. Donc, c'est en alternance une semaine sur deux pendant 3 mois. Et pour les mois, pour les semaines de formation, ça va être en alternance, une journée de formation et une journée d'application pratique. Ça va, les amis? Ça va. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse. Oui, merci infiniment. Merci d'être présent. Merci tout le monde. Merci Osama, merci Omar, merci Saïd, merci Najla. Merci Thionfil. Merci à vous. Alberic, Shaima. Merci à vous. Oussama, Mohamed, Philippe, Nabil, Zakaria. Merci tout le monde. Et bonne journée. Merci, merci. Merci à vous. Merci à vous de même aussi. Merci au revoir. À bientôt.